conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile, tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez! Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seuls, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Ouais, y en a pas deux comme lui. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? Cette gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Non mais c'est quoi ce type? Alors, on va où, Bill? Mon autre planque. Plutôt un genre d'armurerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Hein? Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit. J'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infecté. Donc il nous faut plus d'armes. Chut. Il y en a un à l'intérieur. J'avais prévu de nettoyer ça. Voilà, vous savez. Au fait, tu m'as pas répondu, Portes. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression... Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un peu comme ça. Allez, on y va. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une! Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portail! Merde! Tiens-toi prêt! Ah!
vérifie les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. T'aurais pu choisir un autre endroit où crécher. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins, ils sont prévisibles. C'est normaux qu'ils me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, moi si. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas... Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Et
on s'en fout. Ouais. Ça a l'air bien. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Hé, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. Chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Allez, rassemblez vos affaires. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. Oh, la vache. Allez, viens, t'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Ok, comme tu veux. Après cette porte, je serai en terre inconnue. Je m'en occupe. Hé, hey, vous entendez ça? Silence. Thank you.
Attends, je déteste tes trucs. Attendez, j'ai la clé de cette porte. Il va falloir qu'on soit discret. Doucement, doucement. À propos de cet endroit, hein. Si vous me donniez une arme, je pourrais vous aider à buter ces enfoirés. Ferme, boucle-la.
Par là. C'est bloqué. Et si on passait par là? Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. Et surtout, fais très attention. T'inquiète. T'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok, Bill. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention.
Allez, on grimpe. On passe par-dessus le camping-car. Ça devrait être bon. Allez, 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 allez. Qui a bien pu laisser ça ici? Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Il faut qu'on entre. Allez, allez. Hé, hey, Joël! Ouais. J'ai besoin d'un coup de main. Là-bas. Allez. Ça grouille d'infectés là-haut. Essayez de pas faire de bruit. Je m'attendais à pire que ça. Il se plante peut-être ailleurs. Vaut mieux pas prendre de risques. Comment on fait pour entrer?
Quelqu'un a laissé une échelle sur le bus. Fais-moi grimper pour que je la descende. Essaie de ne pas te faire tuer. Merci, Bill. Tout va bien. Il faut qu'on accède au capot du camion. Merde, vous entendez? Ils arrivent. Vite, petite. Bon, alors on entre en vitesse, on récupère la batterie et on fiche le camp d'ici. Merde! Ils sont en train de s'agglutiner contre la barrière! Elle va pas tenir! Il faut qu'on entre pour atteindre la batterie! Allez, Bill! C'est bon, on peut y aller! Vite! Joël, on a trouvé comment entrer! On va où? Pas là en tout cas. Allez, mine-toi, tu viens.